Si toi aussi tu veux que je te offre le pass de combat, c'est très simple. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, laisse un maximum de pouces bleus, utilise mon code créateur dans la boutique, n'oublie pas de venir me follow sur Twitch et ça va se passer sur Discord, vous avez tout dans la description, je vous mettrai tout dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous offre le pass de combat, donc profitez et allez-y, je vous attends. Du coup, nous voilà sur l'écran d'accueil, ça a vraiment changé. Je pense qu'il y a plusieurs choses, on va commencer par là. Ah d'accord, ok, il y a plusieurs de choses. Donc là on a l'écueil principal. Vous savez le pass de combat, donc c'est le pass de combat en fait qui a changé. Donc on peut voir vraiment pas mal de choses. On va voir ici. Bientôt disponible. Donc ok, pour l'instant on n'a rien. Ok, on a la table des défis. On va faire tout dans l'ordre, on va tout regarder bien sûr. Alors ici c'est tous les agents, donc c'est pour pouvoir les modifier. Les variantes de skills si vous préférez. Ok, on peut voir là. Ok, petit trailer avec le personnage qu'on a juste là, Brut. Brutus plutôt. Je vous affirme, comme vous avez pu voir sur le pass de combat, c'est spécial agent secret. Donc plus d'informations. Ok. Bien, il faut acheter le pass de combat. Ok, ici on n'a rien, on a juste lui, mais on peut rien faire. Ok, donc c'est pareil pour les autres personnages, pour l'instant on les a pas. On a quoi de plus? On va avoir pass de combat. Donc bien sûr, je répète, c'est qu'il y a plusieurs vidéos pour découvrir le pass de combat après découvrir la map, parce que la map il y a eu du changement. Donc pass de combat avec les premiers skins, donc on a des skins gratuits, d'accord. On peut les avoir là maintenant? Pas non? Ah non, c'est pour se dire qu'ils sont gratuits. Ok, on va tout découvrir. Donc là on a le premier skin, est-ce qu'on peut voir les variantes? On peut pas voir. Donc oh, on a un skin banane, ouais. On a une emote. Appelle-moi. Après on a des choses en plus, des bannières, on les bannit, on va laisser tomber. On a une valise, ok. On a des V-Bucks, on a un sac à dos en forme de banane. Ouais, c'est beaucoup de variantes. C'est beaucoup de. Il y a des nouveaux, mais c'est aussi beaucoup de variantes. Hein. Ok, on a des nouvelles pioches. Ah oui, c'est là pour changer, je la voyais pas du tout. On a des V-Bucks, on a une nouvelle bannière. Un sac à dos, les emotes on va éviter, hein, pas les emotes mais les tags, c'est pas intéressant. Un nouveau planeur, ok, des V-Bucks, des tags, une nouvelle bannière, ok, du coup le personnage qu'on a vu juste avant, ah, il faut choisir, ah ok, ah je le préfère en noir, ok, je le préfère en noir, c'est vraiment à choisir, une nouvelle bannière aussi, nouveau sac à dos. Ça, du coup, c'est quoi? C'est une emote, c'est pas intéressant. Bonus. C'est un planeur, je suppose. Une bannière en plus là. Ah, j'aime bien le petit bannière. Camouflage. Gratuit. Ouais. Ah, c'est un peu trop désanimé, on va dire. Ça fait un peu comme le partenariat qu'ils avaient. Il y avait pas longtemps la Borderlands 3. Ouais, Borderlands 3, je crois, c'était. Une pioche. Ouais, qui est pas mal. Une emote du coup, une traînée plutôt. Le planeur. Skin banane. Alors, par contre, on l'a en deux fois, on l'a noir ou blanc. Ouais. Un sac à dos blanc. Ouais, je suis pas. La musique, mais les musiques, moi, je les ai désactivées. Ouais. Là, c'est pareil, on l'a soit en noir. Ah, mais en noir, je l'aime bien en fait. Elle est trop stylée en noir. Je pense, dans tous les cas, on peut prendre juste une variante, c'est soit noir ou soit blanc. Donc je sais pas laquelle choisir, mais après à vous de me dire, je pense pas qu'on puisse avoir les deux quand même. Ouais. Il y a des choses intéressantes, mais je suis pas très fan en fait, à vrai dire. Je sais pas vous cacher, je suis pas vraiment fan. Hein. Un planeur en forme de poisson. Pourquoi pas. Des lettres, c'est ça, ouais, c'est ça, des lettres. Ça, du coup, c'est une emote. Ouais, c'est un tag, ah, une bannière. Ah, une, oui, une emote. Ouais, une carte, on va la map en plus. Une danse. Coup de patte.
Du coup, là, on l'a en noir ou en blanc. Moi, je préfère en noir, Elisty, quand même. Ok, on a du coup des bannières, on a un camouflage. Ah, je le trouve pas vraiment terrible, le pass de combat. C'est mon point de vue, mais je suis pas très fan. Hein. Ok, j'ai oublié de vous montrer les bannières, autant pour moi. Ok, la danse, c'est gratuit en plus, ils disent. Ouais, chouchou, ok. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Niveau 70, une épée. Ok, là on a une traînée. Un planeur. Ah, c'est le lama. Ah oui, mais on l'a déjà en normal. Je vois lequel c'est. C'est Terra Fluo. Une grotte en forme de requin. Bon, des V-Bucks. Mais on l'a en trois fois. On l'a en noir. Mister Manin Ombre. D'accord. Ouais, je suis. Ouais, il y a beaucoup de variantes en fait. J'aime pas trop. Franchement, ils sont pas. Ils sont vraiment pas foulés. Hein. Comme d'habitude, en noir, ça passe. Hein. Je suis vraiment déçu. Bien sûr, c'est mon point de vue. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui vont dire la bannière, elle est bien. Cette bannière, elle est belle. Il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est déjà pas mal et tout. Mais je suis pas vraiment. D'habitude, je la jette la passe de combat. Bon, là, j'ai pas de V-Buck. Mais franchement, je suis déçu. Je suis déçu. La pioche qui passe. On a une musique, du coup les musiques sont coupées, donc ça sert à vous montrer. Ok, donc ça c'est les emotes. Camouflage, ouais, une danse en plus. Et les skins de fin qui est intéressant, soit en comme ça ou en noir. En noir je le préfère. Un skin banane, on l'a quand même deux fois, on l'a là. On l'a, mince. Ici, donc fantôme. Mais en fait, du coup, si on la jette en noir, est-ce qu'on l'a quand même en blanc ou pas? Je comprends pas en fait le délire. Et on l'a encore un peu plus bas, on l'a là. Donc, ouais, je suis pas vraiment fan. Hein. Mister Baleine, et après, t'as plusieurs variantes. C'est pas vraiment ouf, bien sûr, c'est mon point de vue, comme je le dis à chaque fois. Oh, ok, on n'a pas vu la petite table. Ah, on voit les défis. La map, elle a changé, il y a des nouveautés. Donc, ça, la map, ça sera en deuxième partie. Il y a une autre partie de. Au niveau des défis, ouais, au niveau de la visiter la map. Ok, donc du coup on voit pas mal de choses. Ouais, c'est intéressant. Ok, ici on a le tableau. Ok. Ah merde. Recette d'animation au pistolet. D'accord. Bon, ça c'est les trucs à faire. Ah ben voilà, ils sont là. Ah ils vont. Ah non, c'est bazooka. J'ai cru que c'était un mode bazooka. Mitraillette. Ah, je pense qu'il y a des hommes qui vont de retour. Oh, ils ont encore des cannes à pêche. On a quoi encore? Ah, ben on a un petit truc là. Par contre, des poules, on l'a encore pas vu. Ah, ben voilà. C'est des trucs. Ok. Je veux voir ça. Ah, mais il faut acheter. Ah. Chut, c'est moi là. J'ai pas le temps de voir. Attendez. Est-ce qu'on va voir? C'est moi la tenue de. Ah, ok, c'est bon. La tenue secrète du pass de combat, c'est lui. Ok, on n'a rien d'autre là à visiter. Je regarde s'il n'y a pas autre chose, d'accord. On a un droit secret. Pourquoi pas? On a le petit bunker. Pas bunker. Ah, c'est l'armurerie. Créer votre païa. Ok. Ah, il faut acheter le pass de combat, logique. Ah, mais il y a plusieurs variantes. Genre, tu peux. Ah, enfin! Là, c'est intéressant! Là, je vous dis que Fortnite, ils ont fait un truc intéressant, c'est pour ça. C'est pouvoir modifier ton personnage. Là, je suis d'accord. Au niveau des tatouages, si tu veux des tatouages. Donc là, on a genre. Pas mal de tatouages de couleur, j'aime bien aussi. Je vous montre les tatouages que vous pouvez voir sur Maya. Là, c'est du coup, c'est les badges. Des tatouages en plus. Ça, c'est les bottes. Là, ils ont fait un truc intéressant, c'est ça qu'on attendait sur Fortnite, c'est ça. Pour l'instant, on l'a que sur le skin, mais on n'a pas d'autres sur d'autres personnages, c'est dommage, mais on espère que ça va arriver par la suite. C'est ça qu'on attendait, tu vois, moi, un skin comme ça, j'aime bien, la petite coiffure, le t-shirt comme ça, j'aime bien. Ah, ils ont fait les efforts. Ah ouais, moi, je pense qu'on peut le faire sur les nouveaux. Ah ouais, non, mais c'est stylé. Comme ça, par exemple, moi, j'aime bien.
Soit cheveux, casque, après c'est à vous de voir, casquette. Ah là, ils ont fait des choses intéressantes, là je suis d'accord. Vous voyez, le pass de combat, je suis pas intéressé, mais par contre, ça, les skills, les variantes pour changer les visages ou changer encore les. Bon, on voit pas parce que là, j'ai laissé la casquette. Hein. Et là, on peut choisir les couleurs qu'on veut, écharpe et tout. Là, je trouve intéressant. Là, Fortnite, par exemple, ce point-là, ils ont fait des trucs cool. On va peut-être enlever les casquettes pour voir. Voilà. On va retirer. Là, vous voyez, un truc comme ça, c'est intéressant. Le skin comme ça, j'aime bien. Là, ils ont fait des trucs. Là, je peux vous dire que chapeau pour ça. Le pass de combat, je suis pas fan. Mais là, ouais, non, ça passe là. On est d'accord, là, ça passe. Hein. Moi, j'aime bien. Ok, ils ont fait déjà des efforts pour ça. Je pense qu'on peut faire pareil sur les autres personnages. Ok, on n'a rien d'autre à découvrir au niveau de tout ça. Ça s'est fait. On a fait le tour. Alors, ça, du coup, c'est compétition. Ça, c'est ça. La boutique. On n'a rien. C'est à part le pass de combat qui nous annonce là. Mais il n'y a pas de nouveau. Faut attendre, bien sûr, comme d'habitude, le code créateur Superflow TV, vous l'avez là. Et vous pouvez me soutenir, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. On a les défis, on a des bubbles, du coup, ça change pas. Et ici, ça n'a pas changé. Est-ce qu'il y a des modes de jeu? Toujours pas. Arène solo et arène duo, ok. Il y a vraiment pas mal de choses. Franchement, je suis vraiment content. À part le pass de combat, je suis déçu. On va se retrouver pour la deuxième vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un maximum de pouces bleus. Et du coup, on va découvrir la map ensemble. C'est parti!